اهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من يوميات مهرجان مراكش. عروض الافلام متباريه على النجمه الذهبيه متواصله تحت انظار اعضاء لجنه التحكيم، بينهم الكاتبه ليلى سليماني الحاصله على جائزه الكونكور. تلاقيت بها وكلمتنا على التفاصيل اللي كتهتم بها عند تقييمها للافلام المتباريه. L'écrivain Leïla Slimani, membre de jury 2023. Quel sera votre regard, votre apport d'auteur dans ce jury cinématographique? Évidemment, je vais être assez attentive à l'écriture. Moi, toutes les questions de narration, c'est des questions qui sont importantes pour moi, le scénario. Je crois que je vais essayer de parler avec mon cœur, comme quand je suis jury d'un prix littéraire. Quelle est l'œuvre qui me touche? Quelle est celle à laquelle je repense quand je vais me coucher le soir, dont les images sont restées gravées en moi? Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est avec ça qu'on doit réfléchir d'abord, ni avec son identité nationale, ni avec son genre, ni rien. Avec son cœur, et le cœur est le même partout. De toute façon, vous avez déjà un pas dans le monde du cinéma avec l'adaptation de votre roman Chanson douce. Oui, absolument. Puis là, j'ai plusieurs de mes livres qui sont adaptés. On va adapter Le Pays des Autres. On va le tourner au Maroc. Et c'est une très grande fierté pour moi de pouvoir raconter l'histoire du Maroc et que le monde entier se rende compte qu'on a une histoire fascinante, intéressante et très riche. Et puis mes autres romans aussi sont en adaptation. Donc oui, c'est un monde que je commence à connaître. Un dernier mot sur le festival qui célèbre sa 20e édition. Quelle est l'importance d'un tel événement? Mais je crois que c'est très important de montrer à quel point le Maroc, dans le contexte international dans lequel on est, c'est un pays qui est hospitalier, un pays qui est divers, un pays qui est curieux, et puis un pays où on a des artistes extraordinaires. Pour moi, c'est vraiment un festival auquel je tiens énormément, parce qu'il est la vitrine de notre Maroc singulier, en Afrique, dans le monde arabe, même par rapport à l'Europe. Donc je suis très très fière d'en faire partie. Shukran, merci beaucoup. مدينة مراكش قبل العروض أفلام جديدة بينها سيدوني أو جابون لإليز جيرار، تلاقيت بها وتلاقيت كذلك بنجمة الفيلم الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير اللي عندها قصة حب طويلة مع مهرجان مراكش. Bonsoir Isabelle, vous êtes une amie, une habituée du festival. Voilà. Que lui souhaitez-vous en son 20e anniversaire? Je lui souhaite de durer encore 20 ans de plus. 20 ans, c'est un beau nombre. Ça veut dire qu'on a créé une fidélité avec ce festival et que les gens sont heureux d'y retourner comme spectateur et comme acteur, comme metteur en scène. Voilà, c'est un bel événement. Quels sont vos meilleurs souvenirs de cette manifestation? Les meilleurs souvenirs, quand j'étais présidente du jury par exemple, il y avait des gens très sympathiques autour de moi et c'était un grand plaisir de voir tous ces films. Et vous êtes ici pour un autre film, Sidonie au Japon. Comment s'est passé le tournage avec Élise? Je ne vais pas vous dire que ça s'est mal passé parce qu'Élise Girard est à côté de moi, donc évidemment ça a étonné que je dise du mal d'elle et de son film. Voilà, non, c'est un film qu'on a mis un certain temps à faire parce qu'on avait souhaité le faire avant le Covid et finalement nous avons finalement réussi à le faire. Donc on était particulièrement heureux de le faire. Voilà, on avait l'impression d'avoir franchi beaucoup d'obstacles et c'est vraiment un très très beau film. What's your reason for your trip? They are republishing my first book. Are you a writer? Yes and no. Qu'est-ce que ça fait de diriger une grande actrice comme Isabelle? C'est un plaisir, un honneur, c'est une joie, voilà. Elle est difficile à diriger ou... Pas du tout. C'est un ange. Non, elle est formidable, c'est une grande chance, voilà. J'étais très 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 heureuse de faire ce film. Moi aussi. Au Japon, nous gardons nos sentiments pour nous. J'avais peur, je sais pas, de l'inconnu. وصلنا لنهاية هذا العدد. تغطيتنا اليومية لمهرجان مراكش متواصلة غدا في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. أمسية سعيدة القناة الثانية. السلام عليكم.